Bonjour à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui Monsieur Laurent Attias. Monsieur Laurent Attias, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant au lycée de l'Alliance des Pavillons-sous-Bois, également à l'Orte de Montreuil, et surtout vous êtes sophère, c'est-à-dire scribe. Vous avez le rôle important de d'écrire ce qu'on appelle un Sefer Torah. On va donc évidemment définir ce qu'est un Sefer Torah, puisque c'est l'objet qui est considéré comme le plus saint dans la tradition juive. Alors Laurent Attias, pouvez-vous nous dire tout d'abord ce qu'est un Sefer Torah et notamment ce qu'on y trouve écrit? Alors, un Sefer Torah, c'est un livre. Plus précisément, en réalité, c'est un rouleau qui est connu de tous. En réalité, c'est le Pentateuque. Donc, c'est les cinq premiers livres de la Bible hébraïque. Ça va de la création du monde à la mort de Moïse. Voilà, tout à fait. Qui vont de les origines du premier homme, du premier couple primordial, en passant par l'origine du peuple juif à travers le personnage d'Abraham. Et on a effectivement toute l'histoire d'une famille qui va devenir un peuple, qui va se retrouver en Égypte, qui va naître en Égypte dans des conditions très particulières, de l'asservissement, de l'esclavage. Ils finiront par sortir de cette situation sous la conduite de Moïse, et la fin du Pentateuque retrace les pérégrinations donc du peuple dans le désert pendant 40 ans, et on termine sur la mort de Moïse à la frontière actuelle de la Jordanie sur le mont Nebo. Voilà. Ça, c'est pour le côté narratif de ce livre-là. Mais il n'est pas qu'un livre narratif, c'est aussi un livre qui comporte des textes législatifs. Et je pense que c'est l'élément important qu'il faut soulever, parce que le texte biblique n'est pas uniquement l'histoire romancée des protagonistes de ce livre. Il a une dimension significative pour tout celui qui le lit et qui l'étudie. C'est-à-dire, en fait, c'est le fait qu'il y a ce qu'on appelle la loi mosaïque. Pour préciser un peu les choses, vous l'avez très bien fait, la Bible hébraïque ne se résume pas au Pentateuque, aux cinq livres de la Torah. On a également une partie qui s'appelle les prophètes, une partie qui s'appelle les hagiographes. Tout à Mais on fait. ne trouve dans le Sefer Torah que la partie, finalement, tout ce qui relève de la loi. Et c'est probablement parce que la loi est au fondement du peuple juif qu'on donne autant d'importance au Sefer Torah. Donc on a compris que Sefer, ça veut dire livre, et Torah, c'est la partie Pentateuque. Ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a deux types de textes qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et je pense que ce n'est pas anodin. Cette dimension narrative et cette dimension législative sont imbriquées l'une dans l'autre. Et effectivement, dans le résumé rapide que j'ai fait, j'ai sauté une étape fondamentale qui est effectivement l'étape du Sinaï, l'étape de la révélation et donc du don de la Torah. Et il se passe ici un changement majeur dans l'histoire, dans l'historiologie du peuple juif, à ce moment-là. On passe à quelque chose qui va marquer les générations jusqu'à présent. Plus que le peuple du livre, le peuple juif est le peuple de la loi, à mon avis. La rédaction d'un Sefer Torah, c'est quelque chose de très technique. On a d'ailleurs devant nous plusieurs objets qui concourent à sa réalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement votre métier de scribe, de sophère? Qu'est-ce qu'on utilise? Avec quelle plume on écrit un Sefer Torah? Avec quelle encre, etc. Donc, si vous pouvez nous donner un peu de détails, est-ce que ça met du temps à écrire un Sefer Torah? Combien de lettres ou de mots Alors, y trouve-t-on? avant de vous expliquer les éléments techniques, je pense qu'il est important de mettre l'accent sur une règle fondamentale de l'écriture du Sefer Torah, qui n'est pas technique en soi. C'est qu'un Sefer Torah ne peut être écrit que par une personne. Au XXIe siècle, à l'ère de la technologie, l'évolution de l'imprimerie, nous aurait peut-être invités à tout simplement utiliser des machines pour écrire. On sait très bien que maintenant, il y a des logiciels qui sont capables, avec des robots, d'écrire toutes sortes de textes, calligraphie latine ou hébraïque. La question se pose, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de continuer à écrire des textes aussi longs, à la main, à la plume, avec de l'encre, avec des moyens qui sont a priori désuets. Combien de temps ça prend pour écrire un Sefer Torah? À notre époque, on est sur des Sefer Torah qui sont codifiés, qui contiennent en moyenne 245 colonnes. En moyenne, un scribe qui va prendre son temps, qui va écrire tranquillement, va mettre à peu près, pour écrire une colonne, 5 heures, 6 heures. Donc vous faites le calcul, à peu près 250 colonnes, fois 5, 6 heures, ça nous prend à peu près 1250 heures. Sachant que l'écriture d'un Sefer Torah est extrêmement codifiée, surtout en ce qui concerne l'écriture des lettres. Chaque lettre est en réalité composée de plusieurs parties et l'assemblage de ces différentes parties font la lettre.
en sachant que s'il manque une partie, la lettre est invalide, et si une lettre est invalide, le Sefer Torah l'est aussi de même. Il suffit de la moindre erreur, ou de même de lettres collées, par exemple. Voilà, il faut que chaque lettre... Une coupure dans une lettre, tout le Sefer Torah n'est plus... Il faut que chaque lettre soit bien distincte, qu'elle soit bien calligraphiée, qu'elle comporte toutes ses parties. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Voilà, donc 1250 heures, 1300 heures, peu importe. Il y a combien de lettres? 300 000? Il y a à peu près 300 000 lettres. Voilà. Après, l'habitude est d'écrire soit avec une plume d'oie, soit avec un bambou ou un roseau. La plume d'oie, c'est celle que l'on voit. Voilà. Là, ici. Celle qui est ici, qui est présentée, qui est brute, ou sinon, une fois qu'elle est taillée. Alors, c'est une plume, en réalité, qui est taillée comme un stylo plume, à la différence que la pointe à son extrémité n'est pas pointue, mais elle est biseautée. Ce qui implique que ces lettres sont écrites avec la technique des pleins et des déliés. La plume d'oie était essentiellement utilisée dans les pays ashkénazes. C'est une matière résistante, souple, on dirait du plastique, facile à travailler, et surtout, dans les pays d'Europe de l'Est, difficile de trouver du roseau ou du bambou. Par contre, dans les pays donc, d'origine séfarade, donc, l'habitude était d'utiliser des plumes en bambou, comme celle-ci, et donc qui étaient taillées, et en fonction des besoins du séfar. L'habitude maintenant, c'est d'utiliser, pour tout le monde, que ce soit Ashkenaz ou séfarade, d'utiliser ce type de plume, parce que c'est plus commode, c'est plus pratique, le bambou était difficile à travailler. Et on a des qualités de Sefer Torah qu'on n'avait pas à l'époque. Et on utilise aussi une encre particulière. Alors c'est une encre végétale. Une encre végétale, alors ne me demandez pas la composition, ce sont des secrets bien gardés qui ne se révèlent pas comme ça. Il faut qu'elle ait des qualités, peu importe les composants, mais les qualités, il faut qu'elle soit noire, il faut qu'elle soit brillante, ça donne un aspect plus chatoyant au Sefer Torah. Il faut qu'il y ait une certaine souplesse et surtout il faut que ça dure à travers le temps, c'est-à-dire que l'encre ne passe pas, la couleur ne passe pas. Parce qu'un Sefer Torah dont la couleur est passée pose un problème de validité aussi. Maintenant, au niveau de sa forme extérieure, globalement, il n'y a que deux types de Sefer Torah. Il y a le Sefer Torah qui est enveloppé par un manteau. Alors ça, c'est l'habillement. Effectivement, on n'est pas contraignant en soi. C'est simplement une question d'habitude. Effectivement, dans le monde séfarade, on a plutôt l'habitude d'utiliser un ornement extérieur en bois, un coffret en bois. Voilà, là on le voit en miniature. Voilà, ici, voilà, on a un modèle. En miniature, hein, mais c'est comme ça. Et puis à l'intérieur, on trouve en fait le parchemin. Le Sefer Torah est un objet que chaque juif se doit d'écrire. Chaque personne du peuple juif a écrit son propre Sefer Torah. En fait, c'est le 613e commandement.
le tout dernier commandement du Pentateuque. Tout à fait. Juste avant que Moïse ne meure, une des dernières actions qu'il va le faire, c'est d'écrire un Sefer Torah pour chaque tribu. 12 Sefer Torah et un 13e qui sera entreposé dans l'Arche Sainte, au cœur du tabernacle. Mais l'histoire va faire qu'à un moment donné, le Sefer Torah va disparaître de la circulation lors de l'exil babylonien. Et c'est Ezra, au retour au 6e siècle avant l'ère chrétienne, lorsque Ezra va revenir et va reconstruire un peu la nation juive avec Néhémie, ils vont remettre au goût du jour ce Sefer Torah qui a été oublié, et à partir de ce moment-là, le Sefer Torah va devenir un objet plutôt cultuel. Et cet objet-là aura plutôt vocation de symbole. Qui fédère, en fait. Qui fédère, effectivement, la communauté autour de cet objet. On ne fera qu'une lecture, on n'en fera pas l'étude. Alors qu'initialement, la vocation du Sefer Torah est d'être étudié, pas lu. Au niveau des marques de respect du Sefer Torah, donc on a parlé de se lever lorsqu'un Sefer Torah est conduit vers le lieu où on va le poser pour lire. Il y a aussi, je crois, au niveau des marques de respect importantes, on fait très attention évidemment à ne pas faire tomber un Sefer Torah. Si jamais il tombe, je crois que toute la communauté doit jeûner. Doit jeûner, tout à fait. Tenir de manger, de boire un certain temps. Si jamais, à Dieu ne plaise, un incendie éclate dans une synagogue, ça serait évidemment le premier objet que l'on met en lieu sûr. Et si jamais un Sefer Torah devient hors d'usage, on n'a pas le droit de le jeter, mais il faut donc en fait le mettre dans une guénisa. Il y a même un exemple dans le Talmud, si on assiste à la mort, au trépas d'une personne, on doit déchirer son vêtement, et le Talmud compare le départ d'une personne à un Sefer Torah qui est déchiré. Donc c'est une très belle image, mais qui veut dire qu'en réalité, l'être humain, avec toute sa connaissance, son expérience, quelque part, c'est ça le Sefer Torah, c'est l'incarnation du Sefer Torah. Le Talmud nous dit que lorsqu'un sage, un érudit passe devant nous, on doit se lever, comme un Sefer Torah. Alors bien évidemment, on ne se lève pas devant l'homme, mais on se lève devant la sage érudition que cet homme porte en lui. La Torah qui est dans lui. Voilà, tout à fait. Au niveau de la calligraphie, il y a un point très important concernant l'écriture de l'hébreu, c'est le fait qu'on n'a pas de points, de voyelles, de ponctuation dans l'écriture. Donc ça ouvre à une richesse de sens. Alors ça aussi, c'est très très important. C'est une écriture essentiellement consonantique et les voyelles ne sont pas présentes. À tel point que la loi juive stipule que si on vocalise le texte, le Sefer Torah devient impropre et est invalide. Et la question qui se pose, c'est pourquoi ? Ben, tout simplement parce que si on vocalise le texte, on lui donne une signification, on fige le sens, et à partir du moment où on a figé le sens, toute la vitalité du message disparaît. Justement, la grande particularité du Sefer Torah, c'est qu'il reste ouvert aux interprétations. Alors bien évidemment, pas aux interprétations débridées, il y a toujours un cadre, il y a toujours un fil conducteur, il y a des règles très précises d'interprétation. Sefer Torah, dans la tradition juive, est appelé Torah Shebirtav, c'est la loi écrite. Mais il y a son pendant qui s'appelle la loi orale, qui vient et qui justement fait vivre cette loi écrite. Parce qu'en elle-même, la loi écrite ne dit pas tout. D'ailleurs, sur la limite de l'interprétation, ce qui est aussi original, c'est que contrairement à l'écriture latine, où on écrit sur une ligne qui est tracée, là, on écrit sous la ligne. L'écriture du hébraïque du Sefer Torah est une écriture infralinéaire, tout à fait. Et alors que dans l'écriture latine, on est en supralinéaire. Marc-Alain Waknin, dans les livres qu'il a écrits, c'est presque un credo, il aime bien parler d'une lettre en particulier, la lettre Lamed. C'est la seule qui peut dépasser la... Voilà, c'est la seule lettre qui passe au-dessus de la ligne. Et la lettre Lamed, le mot lui-même, Lamed, signifie étude. Et donc, l'étude, c'est peut-être de dépasser l'horizon premier du texte qui nous est proposé. Merci beaucoup, Laurent Attia, de nous avoir permis de mieux comprendre ce qu'était cet objet si important dans la tradition juive. On a compris que ce n'est pas seulement l'objet qui était important, ce sont évidemment aussi les personnes qui assurent sa transmission. Bon dimanche et bonne semaine à vous toutes et à vous tous.